Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de La belle-mère de Sally Epworth, euh, publiée chez l'Archipel. Alors, pour vous faire un petit résumé de ce roman, nous sommes en Australie et le roman démarre lorsque la police arrive chez Ollie et Lucie pour leur annoncer malheureusement le suicide de Diana, la mère d'Ollie. Donc voilà, c'est pas très joyeux déjà. Hein en fait, Diana, c'est une femme bien sous tout rapport et très riche, et elle semblerait n'avoir aucune raison pour avoir, bah, pas tenté, puisqu'elle a réussi, mais pour s'être suicidée. Donc la police et l'entourage de Diana vont commencer à douter, et donc vont se pencher, commencer à se pencher en tout cas sur les relations de Diana avec ses proches, évidemment. Tout d'abord, hein, parce qu'on sait qu'au niveau des meurtres, c'est généralement des proches. Et donc en fait, on va partir sur un petit jeu passé présent euh, en suivant Lucie, donc la belle fille, et Diana, donc euh, ben, la femme qui est morte, euh, la belle-mère, d'où le titre. Et le jeu de passé présent en fait euh, va être très très bien fait, euh, ce qui fait que on va voir l'évolution de leur relation à toutes les deux, mais aussi euh, par le biais de l'une ou de l'autre, on va connaître un petit peu mieux leurs relations avec les autres membres de la famille. Et on va apprendre aussi à les connaître. Voilà, c'est tout pour le résumé. Dit comme ça, peut-être que ça peut avoir l'air très banal. Voilà, ouais, bon, ok. On va essayer de savoir si c'est vraiment la belle-fille qui a tué, machin et tout. Mais en fait, c'est bien plus complexe que ça. Et, euh, et je l'ai trouvé extrêmement bien fait, ce roman. Je trouve que euh, ce roman montre très bien la complexité des relations. Que ce soit avec la famille, la belle famille ou des amis proches, enfin voilà. Tout ce qui est euh, non dit et maladresse en fait, que euh, par exemple, une personne a envie de dire telle chose pour être gentille avec l'autre et parce qu'il le pense, hein, mais, euh, mais autre chose va lui faire penser à autre chose, ils vont parler d'autre chose et cette personne va oublier. Et c'est dommage parce que ça aurait pu nourrir un côté, euh, une certaine affection entre eux et euh, bah, ça n'a pas été fait et voilà ou alors euh, la personne va dire les choses d'une manière parce que euh, elle, elle elle a appris à dire les choses comme ça et euh, l'autre euh, ayant une éducation différente et tout ça bah, va recevoir l'information euh, d'une autre manière en fait sur un autre ton alors que l'intention n'était pas celle que l'autre imagine. Enfin, C'est un peu compliqué ce que je vous raconte, mais je ne sais pas si vous, vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, ça, ça montre bien en fait que la plupart des relations conflictuelles sont dues aussi à beaucoup de non-dits et de maladresses dans la façon d'être et de parler à l'autre, ou alors de recevoir les paroles de l'autre. Mais voilà, c'était extrêmement bien travaillé. Euh, je trouve l'évolution des, des relations aussi euh, très bien faite, très belle, ou pas, <laughs> mais, euh, mais très bien faite. Euh, c'est très, ouais, c'est profond, c'est vraiment bien fait, je trouve. Euh, ce côté de personnes qui sont pas forcément proches, euh, si quelque chose de grave les lie, parce que, imaginons, ils sont tous les deux dans le secret ou toutes les deux ou peu importe. Voilà, la relation va totalement changer et pas totalement, mais voilà, il va y avoir quelque chose quand même. Donc, enfin, euh, bref, c'est... Je, je bafouille un peu là pour vous raconter un petit peu les choses sans, vous, sans trop vous en dire, mais, mais voilà, c'était vraiment très bien fait. Tout le côté relationnel, euh, je l'ai trouvé génial. Il faut dire que les personnages, en fait, sont très bien travaillés. Euh, J'étais très touchée par les personnages. Il y a des scènes qui m'ont... Voilà, j'avais un peu les larmes aux yeux quand même parce que ça m'a beaucoup touchée. Euh, vraiment, c'est très bien fait. Je les ai trouvées euh, profonds Et j'ai beaucoup aimé, en fait, le fait qu'on suive et Lucie et Diana. Et euh, on a leurs deux points de vue. Et c'est... Voilà, c'est vraiment bien fait. L'histoire en soi et le suspense euh, sont aussi euh, vraiment bien ficelés. Euh, tout est écrit pour que ce soit addictif et euh, page-turner. Franchement, c'est un livre qui se dévore. Moi, je l'ai lu très rapidement et j'avais très envie d'y retourner quand j'y étais plus, Et ce qui n'est pas évident. Parce qu'en ce moment, je suis dans une phase où je lis des choses qui me plaisent, mais, euh, mais je n'ai pas envie d'y retourner en fait. Et pourtant, ça me plaît. Donc, euh, c'est très frustrant comme sensation. Et j'ai l'impression, en fait, de ne pas lire au bon moment ces choses et de louper euh, quelque chose, un coup de cœur ou un... Enfin voilà. J'ai l'impression de louper quelque chose, donc du coup, bah, je préfère m'arrêter, faire une pause et passer à autre chose. Et du coup, j'ai lu un peu par hasard ce bouquin, enfin, en e-book, je l'ai lu, mais voilà. J'ai lu un peu, voilà, je savais pas quoi lire, j'avais envie d'un thriller, de quelque chose pas trop prise de tête. Et euh, du coup, euh, voilà, j'ai démarré, et en fait, je l'ai vraiment dévoré, et j'ai pas pu m'arrêter, quoi. En plus, la fin m'a beaucoup surprise. Honnêtement, je m'y attendais pas vraiment. Euh, je l'ai peut-être envisagé, mais vraiment vite fait. Euh, pff, ouais, je ne je sais pas. J'étais assez surprise. En plus, je l'ai trouvé bien faite. Euh, J'ai eu plusieurs petites surprises. Donc, euh, donc ouais, vraiment cool. Euh, J'ai passé un super moment de lecture avec ce livre. Et euh, personnellement, je vous le recommande beaucoup, beaucoup. Après, n'ayez ouais, pas peur. Je veux dire, imaginons, vous êtes en conflit avec votre belle-mère. N'ayez pas peur de lire. C'est au contraire, même. Je dirais même au contraire. Je pense que ouais, ça peut apporter des petites réflexions sur le sujet. Mais euh, voilà, c'est vraiment... J'ai beaucoup aimé ce roman et je vous le conseille énormément. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé ou pas. Euh, J'aimerais bien avoir vos retours, savoir ce que vous en avez pensé. Et puis euh, voilà, bah sur ce, je vous dis à très vite et puis je vous fais plein de gros bisous.